santé des mineurs. Qui les amuse. Salut à tous. On attaque la première capsule astuces et conseils de dégustation. Et quoi de mieux de commencer cette première capsule conseil par comment est-ce qu'on déguste un spiritueux. Pour la première étape, c'est vrai que le watch, donc le regard, l'analyse du visuel, c'est peut-être l'étape qu'on apprécie le moins en fait à faire parce qu'on ne fait pas vraiment voyager son nez ou son palais, donc voyager ses sens. Mais c'est intéressant parce que rien qu'au visuel, on peut déjà en fait déterminer déjà sur quel type de spiritueux c'est. Pour par exemple une dégustation à l'aveugle, là vous pouvez voir que j'ai servi 6 spiritueux, un mezcal, 2 rhum, 3 whisky. Enfin, le mezcal, vous voyez donc que c'est blanc, donc forcément il est transparent. Qu'est-ce qu'on peut déjà dire là-dessus? C'est que transparent, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de coloration, pas eu de bois, de vieillissement en fait, puisque vous voyez que toutes les couleurs qui sont obtenues là, c'est vraiment le bois qui l'amène. Donc c'est le tanin du bois qui va vraiment infuser et donner sa coloration au fil des années. Prends l'exemple de ces deux rhums avec un Jamaïcain ici qui a passé le plus clair de son temps en Écosse, dans un fût qui a conduit du Bourbon. Donc en Écosse, le climat étant relativement frais et humide, le rhum ne va pas prendre autant du fût que par exemple ce Ferroni Barbade qui a vieilli 90% de son temps sur la Barbade et qui après a été affiné lui dans un fût de vin rouge. Vous verrez que la couleur ici a vraiment des reflets un peu rougeâtres comme ça, amenés vraiment par le fût de vin. Donc on arrive vraiment sur une analyse qui, rien qu'au visuel, peut vous amener un peu d'informations, rien que sur le type de fût dans lequel ça a vieilli. Voilà, fût de Bourbon, souvent ça amène toujours une robe assez palote quand c'est jeune. Plus on va faire vieillir, plus on va arriver sur un côté un peu ambré, or profond. On peut prendre aussi l'exemple de ces 3 whiskies, où ici on a 19 ans de vieillissement en fût de Bourbon, juste ici à côté, un 21 ans vieilli en fût de Xérès. Et donc le Xérès qui est un vin rouge produit dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, qui est un peu le cousin du Porto, qui va vraiment amener cette coloration assez foncée, assez encore une fois rougeâtre et cuivrée. Le Bourbon, vous voyez que la différence est assez notable finalement, avec un produit qui est relativement clair pour le Ben Nevis vieilli 19 ans en fût de Bourbon, et quelque chose de beaucoup plus soutenu pour le Glengoyne vieilli 21 ans en fût de Sherry. Et un autre exemple, on part en aux États-Unis avec le Thomas H. Andy, magnifique produit, qui lui est vieilli uniquement en fût de chêne neuf. C'est un produit qui est relativement jeune, contrairement aux 21 ans que nous avons ici en Écosse. Mais l'idée, c'est intéressant parce que comme c'est un chêne neuf américain, il va prendre beaucoup plus rapidement la coloration du bois et du chêne. Alors, ce qu'on peut aussi noter pour le visuel, c'est la texture vraiment sur le verre, donc vraiment l'accroche. On va avoir des produits comme ici le Thomas H. Andy où on va avoir l'impression de boire du beurre en fait, tellement ça colle au verre, tellement c'est gras. On a vraiment cette impression d'avoir vraiment une couche épaisse qui se forme sur le verre. Et puis on va avoir le mezcal ici qui va avoir ce caractère un peu plus sec, donc moins gras, qui va couler un peu plus rapidement. Donc souvent, quand ça tient bien au verre, attendez-vous en bouche à avoir une belle texture, quelque chose d'assez gras. Quand ça coule directement et que ça ne forme pas cet anneau vraiment de gras et ces larmes de gras, attendez-vous à avoir quelque chose de bien castard. Ça, c'était pour le watch. T'as vu tout ce que j'ai raconté? Alors, pour le smell. Attention, rien qu'au nez, on peut déjà se dire « Ah, là, on a quelque chose d'un peu plus léger en alcool, avec le 45 degrés ici de chez Famaroli. Ah, ici, on peut avoir un brut de fût. » Donc les bruts de fût, c'est des produits qui ne sont pas dilués à la sortie du vieillissement, donc ils sont embouteillés vraiment à leur degré naturel. Le Famaroli, ici, on a remis un peu d'eau dedans pour arriver au degré souhaité par le maître de chai. Alors, première astuce à savoir pour le nez, c'est ne rentrer surtout pas votre gros pif dans le verre, comme on a toujours tendance à le faire. Ça va brûler en fait un peu vos narines et ça va fausser un petit peu vos sensations olfactives vraiment pour analyser finement le produit. Donc l'idée c'est vraiment de jouer et de balancer en fait d'une narine à l'autre, parce que vous avez une narine qui fonctionne mieux qu'une autre.
le savais-tu? Pour analyser vraiment un produit, c'est qu'il y a une roue des arômes, ils appellent ça. La roue des arômes, en fait, elle est vraiment scindée en trois grandes familles. Voici, je vous la montre. Donc ici, elle est scindée en cinq parties. Vous avez vraiment donc le grain, le boisé, le fruité, le floral et le phénolique. Là, on est vraiment dans le cas d'une roue des arômes pour le whisky. Prenons l'exemple, par exemple, de ce Ben Nevis 19 ans. Disons qu'au nez, on a un peu les premières sensations de fruits. Donc là, vous êtes sur, en fait, les arômes primaires. Les arômes primaires, c'est les grandes familles, en fait. Donc on a le fruit, on a le boisé, on a le floral, on a le végétal. Donc dès qu'on a déterminé, bah tiens, on a un peu la fraîcheur, le côté un peu acidité, acidulé du fruit. Ah, on va rentrer dans la case des fruits. On rentre alors dans les arômes secondaires, on appelle ça. Donc dans les fruits, il y a quoi? Il y a les agrumes, il y a les fruits jaunes, il y a les fruits secs, il y a les fruits rouges. Voilà, une multitude d'arômes différents. Disons qu'on est plutôt sur les agrumes. On rentre dans les arômes tertiaires, c'est plus compliqué à trouver finalement, puisqu'on va vraiment pointer du doigt sur quel type d'arôme et de saveur on est. Donc bah, disons... On parle ici d'agrumes. Là, on va avoir dans les agrumes du citron vert, du citron jaune, du pamplemousse, etc. Donc, vraiment toute une variété d'agrumes. Puis, vous avez des choses vachement moins connues, comme le yuzu, par exemple, qui est un agrume entre la mandarine et le citron vert. Le kumquat, toute petite orange allongée, qui est assez étonnante et un peu des goûts d'abricot. Donc, j'en viens à cette roue des arômes en conclusion. Ou si vous êtes un mangeur de pizza surgelée et de fricadelles, pour le nez et le palais, vous êtes mal barré. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est vraiment d'associer tout ce que vous sentez, tout ce que vous goûtez à une mémoire en fait d'arôme, donc une mémoire olfactive et mémoire gustative. Tout ce que vous goûtez, tout ce que vous sentez, ce n'est que de la mémoire. Un bon spiritueux, au niveau de la dégustation, du nez ou de la bouche, ça va évoluer. Donc c'est comme un vin. Un vin, souvent, quand il est un peu trop tannique, on le laisse un peu prendre l'air. Un spiritueux, bah, s'il est un peu trop alcooleux, on peut le laisser aussi un petit peu prendre l'air. Et vraiment, l'alcool va s'évaporer au fil de la dégustation. Donc c'est intéressant parce que de revenir aussi sur le nez en cours de dégustation, puisque le nez au service dans le verre et le nez après une demi-heure d'aération va changer obligatoirement. Donc prenez vraiment le temps pour le nez. Y aller vraiment doucement. Et moi, le nez, c'est un truc que j'adore parce qu'on pourrait rester des heures tellement... Bah, vraiment sentir des arômes et des saveurs sans cette sensation d'alcool qui peut être perçue finalement en bouche. On passe au taste. Donc là, hop, après avoir watché, smellé, on taste. Donc vous voyez qu'ici, en fait, j'ai pas avalé tout de suite le spiritueux. Souvent, ce que je conseille, c'est de garder toujours un petit peu le spiritueux en bouche et vraiment de l'envelopper dans tout le palais, dans toute la bouche, pour vraiment que tous les arômes et les saveurs voilà, se balancent et explosent au niveau du palais. L'idée, c'est vraiment à la première gorgée, vraiment le garder 4, 5, 6 secondes en bouche avant de l'avaler. Pourquoi? Pour vraiment tapisser votre palais de tous les arômes et les saveurs vraiment du whisky, dans ce cas-ci, pour vraiment qu'il pose vraiment bien les bases. Alors, une bouche, ça s'analyse sur 4 phases. Vous avez la première bouche. La première bouche, c'est comment est-ce qu'il est dès que vous l'avez avalé. Donc, l'explosion de saveurs et d'arômes. Donc, est-ce qu'il est sucré, salé, acide, amer, déjà, les 4 sensations universelles. Est-ce que vous avez un caractère fruité, épicé, boisé? Est-ce que c'est asséchant? Est-ce que c'est gourmand, beurré? Quelles sensations ça vous laisse? Puis après, vous avez en fait la longueur en bouche. Donc, comment est-ce qu'il va évoluer en bouche? Donc, est-ce qu'on va rester sur les mêmes arômes de la première bouche, ce côté explosif, ou est-ce qu'on va plutôt repartir sur ce côté plutôt gourmand, pâtissier? Puis après, vous avez la finale. La finale, c'est vraiment en fin de dégustation. Est-ce que ça a évolué aussi? Et puis après, on a l'aftertaste en anglais, ou le relent en français. Ça, c'est amusant. C'est vraiment le retour d'arôme, le retour de saveur, en fait, qui peut être très différent de la première bouche. Alors, si de la première bouche à la fin de bouche, vous avez un produit qui est totalement rectiligne et qui goûte le malt et la vanille, vous avez un produit qui est très peu complexe. Vous avez un produit vraiment qui est par vague, avec des arômes, des saveurs, des sensations en bouche qui diffèrent vraiment de la première à l'aftertaste. Dites-vous que vous avez un produit qui est assez complexe
et intéressant à analyser. Petit mot de la fin, je dirais que c'est intéressant quand vous buvez un spiritueux de repenser à cette vidéo, vraiment cette analyse du watch avec sa texture, sa couleur, le nez, pensez à vraiment jouer d'une narine à l'autre, puis après vous y allez un petit peu plus franco si vous avez envie de tirer un peu plus d'arôme, le taste vraiment l'apprécier en gardant un maximum le whisky en bouche avant de l'avaler, donc vraiment repensez à toutes ces astuces et vous verrez que vous apprécierez beaucoup plus votre spiritueux comme ça. Ciao, à bientôt pour une prochaine review, conseils et astuces de dégustation.